sous les candidats qui pourraient supporter une autre. Nous allons rejoindre le professeur Sauve-Pierre Etienne. Professeur, bonjour. Et bonjour Guerrier, bonjour Bobsé, on a profité de saluer PDG Radio, M. Patrick Moussignac, on a salué tout le staff technique là, ensemble avec tout le journaliste, et on a salué les pays ici à la Honde Badet, parce que nous connaissons qu'en Haïti, qui est au l'autre bord de l'eau, eh bien, yo sous Radio Mondiale là, donc yo branché. Support à l'endroit de Jude Célestin, c'est pas une surprise d'ailleurs, on t'a dit déjà depuis tout de suite après le résultat KEP1 TT Baylan, mais on va le prouver ça jeudi, puisque c'est jeudi, on va prendre Jude Célestin pour le confirmer participation. Et pour le bagage, il a dit, il faut que citoyens et citoyens, ils même informés et de l'information sur le monde qui a fait politique dans le pays. Parce que une politique pas d'assaut dans le ciel, là, il est tombé sous tête, nous. C'est ça que fait notre prenant pour ne pas comprendre tout le temps. Donc, premièrement, il faut qu'on ait un rapport personnel, moi, avec Jean-Hector Anakassi, avec Jude Célestin. Donc, même les nous avons boumé, nous, une dans la flotte, eh bien, pendant nous en campagne, nous faisons rencontre, on côté, et c'est nous trois qui sommes présents. C'est Jean-Hector Anakassi, Jude Célestin avec moi. Donc, nous t'ai rencontré, nous t'ai discuté, nous t'ai parlé. Et il était clair pour tout le monde. Si c'est Jude Célestin avec moi qui est dans le deuxième tour, eh bien, nous avons fait campagne là de manière civilisée. Mais une fois que, eh bien, moi pas dans le deuxième tour, je m'a pas appuyé. Et si lui-même est dans le deuxième tour, il n'est pas dans le deuxième tour, il n'a pas appuyé. Donc, ces hommes minouillés, politique là, nous avons fait lui, nous sommes concurrents, nous sommes en face l'autre, nous sommes sous bannière parti politique, nous, et nous sommes gourmés contre l'autre. Mais, eh bien, nous faisons politique. De manière moderne, les gens savent faire dans tout le pays. Et nous venons retrouver nous dans G8 là, côté, là nous on l'a armé de 628 000 zombies à placer Qatar, là nous avons des paroles en seul coup de clé à parler, et bien nous avons clarifié encore. Nous avons dit très clairement, si, eh bien, et bon deuxième tour entre Jude Célestin et Jovenel Moïse, et pas par l'empile, mais qui côté que ma pied, parce que c'est une bataille côté calé dans la campagne là que nous avons mené, et Jude Célestin, la paix en Akassis, il y a tout le temps face tête calée. Donc c'est ça qui expliquait que nous retrouvons nous dans G8 là, avec conseil des amis, nous étions disciples de classe, nous étions dans le même parti politique. Donc c'était de grandes retrouvailles. Et nous discutions, nous gardons, et puis nous avons plus. Alors, faut me dire, pas de cadeau. Et Jude Célestin, eh bien, monsieur vient prouver qui est lié. Pour les gens qui ne connaissent pas, eh bien, là nous arrivons dans phase, pression internationale, off tête calée, tout bagaille mêlé, élection deuxième tour, eh bien, on met tant de toute parole en pile. Si monsieur était décidé de taper le deuxième tour, bagaille était fini. Par contre, si c'est lui-même qui est président aujourd'hui, ou bien si c'est Jovenel Moïse, mais tout bagaille était fini. Eh bien, nous prenons acte dans G8 là, que camarade la tête vous met comme ça doit, et il méritait respect nous tous. Et dans ce sens-là, il y a quatre dans nous qui t'a décidé, Jean Bagayou passé, et ça nous te comprend, nous donnons, si analyse nous fait. Et comme M. Samuel Madistin dit, nous gagnons bagaille, nous discutons dans, par exemple, trois sortes de yon. Nous pas qu'à dire qu'il y a analyse, il était là, mais nous te mettons d'accord que, il y a dans nous qui peut aller dans le deuxième tour. Et parmi moun sa yo, ou joindre, et on ça va pas bétonner nous, parce que Jean sont moun qui très actifs, très combatifs, et très déterminés, eh bien, Éric Jean-Baptiste étonné en pile monde et faut dire admiration pour les tout parce que c'est pas un monde qui connaît bien que c'est moins négocié par émission impossible ça pour mal chercher la taille pour l'entrer dans G8 là et bien comme c'est le plateau central je prends courage moi à demain je dis aux camarades là m'a vu Noël et c'est la taille qui me parle avec et bien je dis c'est une acte politique majeure que me pose dans la vie moi Éric Jean-Baptiste monsieur dit le pas candidat. Et même si le candidat vous met devant, mais journée jeudi, il dit, pour ça que passe avec Jude Célestin à G8 là, il parle lui-même, qu'après le garder M. Lagier pour lui dire, mon cher, si je vous tape jouer ma face. Et gagné, et Marie-André Sol, ancien directeur général de la police là, qui dit lui-même tout, il n'est pas candidat, et puis il n'a pas appuyé, eh bien, candidat Jude Célestin tout. Bon, Steven Benoît lui-même, monsieur, c'est pratiquement obligation qu'il gagne, parce que tout à l'heure. Professeur, sur ce camarade en disant là, est-ce que il est confirmé parce que nous sommes fait contact avec lui là? Nous tenons réunion. En général, nous ne pouvons pas citer nos mondes si que nous pas réunion ensemble, nous ne pouvons pas faire comme ça. Donc hier soir, il y a 7 candidats qui réunis, eh bien, dans le local et la PA, eh bien, moi, c'est de ça ma parole. Je parle de 7 candidats. Je ne vais pas parler de l'autre.
Oui. Nous avons appelé 7 candidats qui déjà inscrits. Max Joseph Devaux, Marise Narcisse Famille Lavalas, Daniel Dupiton, Conap, Jean-Hervé Charles, Pain, Lucner Désir, Louko. Oui, Louko, Louko. Louko dit méchanceté au fait. Oui, Louko dit le président. Il dit en toute logique, si n'a prêté, dans respect principe, norme, oui. C'est le président. Mais il n'y a pas de sorti qui est président, il n'y a pas de vague. Mais tout le monde connaît le président pays à lui-même. Ça, c'est clair. Bon. Roland Magloire, PDI, Marie-Antoinette Gauthier, ça c'est PAC ou bien PAC, bon, on va connaître. Et puis Charles-Henri Becker, qui lui-même était officiellement désisté. Donc, jusqu'à présent, il y a un candidat Sayo qui a confirmé. Okay. Professeur, où t'as cité pour nous, c'est 5 candidats dans G8 là qui pourraient supporter Jules ou bien 4? Oui, guerrier, à tout seigneur, à tout honneur, n'a pas permettre moi saluer un pouvoir là. Oui. Camarade Willus, Willus, et Nek Plateau tout. Ouais. Et alors, faut me dire que il y a deux amis et il faut nous connaître caractéristiques et tout. Et en point là, même j'ai avec le sénateur et Jean-Hector Anacassis, ouais, croyantio, mais c'est des gens qui sont très tolérants. Mm-hmm. Nous, c'est trois camarades de combat, parce que dernièrement, dans l'autre, j'ai dit sénateur, ah bon, on va dégager tout, mais en point là, on va connaître, on va tout, non. C'est des bon, tout bon, oui. Alors, ça me l'a dit pas là, c'est que lui-même avec le sénateur Anacassis, il y a des croyantio. C'est-à-dire que moi-même, j'ai mon petit coin dans la science et la technique, nous ne parlons pas de conflit comme si, discussion, bagaille, religion, nous faisons politique. Donc, ils sont très tolérants, nous entendons l'autre, nous comprenons l'autre, ils n'ont pas de problème avec nous dans ça, ils n'ont pas de problème avec nous dans ça. C'est une question de croyance. En général, ils n'ont pas discuté de questions ça. Et je salue les camarades N. Cyrilus, parce que même les nations qui font bain à Cassis avec nous, pas ouais, monsieur. Nous, oui, nous connaissons les bois amarrés, c'est dans des midi couchés. C'est moi qui ai frappé vous, Lia. Bataille la mal. Donc, ça veut dire, camarade, là, toujours avec nous dans tout le combat, m'apprécier ça, et nous saluer là. Et pour question inscription, hein, m'a dit, et guerrier, t'as persisté pour le mandat, moi, et est-ce que, et ancien directeur général de la police, Mario-André Sol, qui j'en saillais, alors, m'a dit que, en général, m'a pas cité non monde si m'a pas autorisé. Donc, une réunion hier, soit 7 candidats, et qui était dans G8 l'ensemble, eh bien, nous sommes là, nous te chita pour nous planifier des bagailles, discuter, garder des bagailles ensemble. Mm-hmm. Ouais. Donc, m'te dit que gagner Éric Jean-Baptiste, qui est tourné, moi. Au contraire, monsieur, son jeune garçon, monsieur, pas vraiment même la même. Hein, mais, pour regarder l'expérience politique, monsieur, maturité politique, lui, eh bien, c'est bon garçon qui met ce nom-là. Donc, monsieur, clair que lui-même, le candidat, mais c'est pas pour neuf coups là, mais puis devant, et lui-même l'a frappé. Donc, nous comprenons ça, et nous apprécions ça tout. Et parce que, en Haïti, en général, il y a deux politiciens pas d'achita. Là, on commence 5 ou commence 8. Eh bien, mon cher, c'est pas un crabe là. Et il faut fond Jean. En bout, il y a une rivée. Eh bien, l'autre là, avec lui, mon cher. Plutôt que nous, pas arrivé, c'est l'année. Eh bien, nous-mêmes, nous changeons mentalité, ça. Et c'est nous qui avons modernisé le système politique là. Côté nous dit, si je dis Célestin Guerre, eh bien, j'ai noté dans G8, la peuple a fait l'unité, eh bien, c'est pays à cap gain, et si pays a gain, nous pas besoin ni premier ministre, ni ministre, ni gain de job, non, nous tout a gain, et nous pour te coller, et je dis à, n'a accompagné, eh bien, et candidat Jude Célestin, parce que nous dit, si, monsieur Patrick, on a caractère, 20 pour aller là demain, pour mener combat ensemble avec nous, malgré toute pression, eh bien, toute bagaille était finie, c'est ou bien il était président, ou bien Jovenel Moïse était président, pas d'après parler en pile, je veux dire. Et me dérivé sous camarade, Sylvaine Benoît, dit bon, pour monsieur même, son obligation qu'elle gagne pour l'ensemble avec nous, pour le montrer qu'il m'a mis, nous connaissons déjà, oui. Mais monsieur, avec moi, c'est poisson crasé dans bouillon. Il faut réclamer, lui, que c'est une alternative là. C'est notre alternative là. C'est TID, c'est Fusion, c'est OPL. Donc, elle n'a pas la même, c'est toujours coordonnateur. Mais nous, avons l'autre lien, parce que monsieur connaît le pas qu'à comporter lui en malfecteur, parce que si le malfecteur, il va créer problème dans la famille, il va pas marier en femme casale, et puis pour moi, je ne fais malfecteur, pas le mal dit madame, moi, mon bébé, vous êtes malfecteur, j'ai pété, madame quitte moi, et puis des blousailles. Donc, nous entendons très bien. Donc, c'est nous cinq là, son G5, mais attention, G5 là, qu'a tourné G6, il qu'a tourné G7, et ça a brivé le tourné G8 tout, parce que nous, en contact avec trois autres membres de G8, jusqu'à présent, il y a négociation. On parle de Maurice Jean-Chaldo, G8, oui. Il y a négociation qui est en cours. Moi, une possibilité. Ah, possibilité. Pour y ouvrir un bloc solide. Il y a tourné G8. D'accord. Parce que nous-mêmes, nous croyons, jamais rien dit là, c'est buy one, get for free. Oui. Je suis Célestin, mais on a quatre autres présidents qui derrière encore, qui va le poter pour là avec lui. Ça pensait. Mais le cas 6, le cas 7. Nous croyons que dès le premier tour, on a résolu le problème, non? Mais si jamais t'as mon deuxième tour, c'est pas Jean-Charles Moïse qui est dans le deuxième tour, eh bien bonjour, au cas où t'as ménagé lui d'accord. Là, c'est là, de toute façon. Oui, c'est là, c'est là.
tout l'autre secteur qui est constitué G8 là, nous avons pouvoir parce que son génération. C'est dit, nous avons fait politique, nous avons fait politique, nous n'avons pas manger, nous n'avons pas boire, nous n'avons pas empoisonné l'autre. Nous finissons la bagaille ça dans G8 là. Nous résoudons la bagaille ça dans pays. Et pourquoi c'est pas buy three and you will get one free? Acheter toi oui, et puis il y a bon. By one. Oui. Tenez nos professeurs support, by Jude Célestin, son support personnel ou bien c'est support au PL? Il y a deux niveaux là. Ça, c'est support personnel qui m'a annoncé nous ça déjà. Ok. Mais bon, l'autre bagaille qui n'a pas gardé. Parce que Jude Célestin, pas oublié, monsieur, il y a expérience politique tout. Monsieur, apprécié question support personnel là. Mais, nous connaissons la structure tout. Et on connaît déjà avec toi, Anakassi, c'est membre fondateur OPL tout. Eh bien, grande discussion qu'a fait là. Et moi, je me dis, on ne peut pas capable de discuter ça parce que j'étais dans G8 là, nous trois proches. Eh bien, a gagné monde dans OPL, des dirigeants, des responsables, qui gagnent bien pour discuter avec des responsables dans la paix. Et, discussion ça a fait au plus haut niveau. Et, discussion ça a eu, capable de faire au niveau départemental, au niveau communal tout. Et les engagés, eh bien, discussion ça, yo, qui est capable, si tous les partis sont intéressés, ils sont capables d'une grosse négociation faite, et ça a fait de l'autre parole qui parlait, même pas l'anticiper, parce que structure, il y aurait autonomie, les décisions, on connaît qu'ils ont pris de manière démocratique, donc, les problèmes à nous poser dans le niveau OPL, et les poser dans le niveau la paix, comment OPL prend décision ni, eh bien, décision finale là, il est capable, c'est une coordination nationale, qui c'est deuxième instance d'un parti, hein, après le congrès national là, qui est vraiment tout plus en lui-même, eh bien, c'est là où est 17 membres du comité exécutif national, yo. Yoshita, ensemble, avec 5 membres du comité exécutif, eh bien, départemental, yo, et puis, 7 membres du comité exécutif régional, qui sont sortis le plus souvent en Floride, ou bien en Europe, etc., ils ont participé avec nous, et puis, nous prenons une décision. Donc, pour une décision alliance entre deux, ça, yo, eh bien, si pour le prend, eh bien, chaque parti, yo, c'est dans le cadre de coordination nationale, par yo, bon, on est capable de structurer la paix, les sénateurs généraux, on a quasi fait les coordonnateurs généraux de la paix. Donc, où est-ce que mon coordonnateur OBL, tout coordonnateur général, c'est pratiquement la même structure. Donc, s'il y a fait et approche ça, et s'il n'y a pas avancé dans la direction ça, eh bien, laisse ça deux structures, yo, a bien pour parler un grand monde et pendant qu'il défend l'intérêt pays, mais après défend l'intérêt PAO en tant qu'organisation, parce que et pour mettre sous pied un parti politique, où un seul objectif, c'est l'exercice, hein, c'est la conquête et l'exercice du pouvoir d'État, sous les forces pour s'en faire pour qu'on tout, sous les forces ou mettre ensemble avec le parti qui se l'avant pour prendre pouvoir et pour gérer le cadre d'un gouvernement de coalition. Donc ça sur l'autre niveau. Ne pas précipiter Braille, parce que c'est juste et contact qui fait en ce sens, et y a gardé, mais pour qu'on ait un lien qui décide et non ça. Et qui t'a pris la position, professeur Sorbier Etienne, si structure, par contre, coordination nationale, t'as décidé le contraire. Ah oui, et puis, et coordination nationale a décidé que, eh bien, structure, yo, pas entendu, alors il y a deux côtés. C'est capable de la paix qui dit il n'est pas d'accord tout parce que c'est une question de pouvoir discuter. Hein? Donc qui a fait pouvoir pas le parler, si pas bon compromis joigne, eh bien, s'il y a une dissension, s'il y a des accords, si c'est sous base idéologique ou bien sous base politique, laisse ça ou seulement prendre un que bon désaccord. Et là, pas de problème. Et là, nous tous d'accord que nous pas d'accord, sont accords liés. Hein? Attention. Donc, il y a ça tout. Et qui position sauveur bien Etienne, quand tout le monde peut la reconnaître que des partis. Yo d'accord que yo pas fait alliance et puis nous prenons un peu de temps que yo pas arrivé à entendre. Très bien. Donc, aujourd'hui, là, 5 candidats qui après inscrit ensemble avec Jidjo, Sauvé Pierre Etienne, Éric Jean-Baptiste, Marie-André Sol, Steven Benoît, M. Samuel Madistin. C'est ça? Et non, il faut qu'on mette Samuel Madistin. On fait tous les G6. Moi, je l'ai mais bah, elle a Samuel Madistin. Non, mais c'est 4 000 là. Parce qu'il dit, nous, faut le bon temps pour le réfléchir lui-même. Et jusqu'à présent, nous, en contact avec lui, mais il faut qu'on prenne compte de la décision. Mais si on fait ces amis Louis, Non, moi, il est le bas. Moi, il est le bas jeune. Non, mais ça veut dire, jusqu'à présent, c'est nos 4 qui l'a, en plus, Jules fait 5. Oui, c'est ça. Donc, son G7 qu'il a toujours, mais n'a pas été fait cadeau, non, G6, son G7 ou bien G8, n'a pas travail. Ok. Qui est-ce qu'il a joué Moïse Jean-Charles même pour rien? Eh bien, Jean-Charles Moïse, son bagage est compliqué. Lorsqu'il y a des gens qui sont en Anakassis avec Jean-Charles Moïse, et, bon, c'est poisson crasé dans le bouillon.
Lorsque Jean-Charles Moïse avait moins, c'est poisson casé dans bouche. Et ouais, l'elle fait, l'elle garde pour ses verbales liées. Ouais, régime tête calé a débam 30 200 voix. Bon, et amis, mes frères, Jean-Charles Moïse, j'ai bam 8000 voix. Bon, m'bagou m'avel. Non seulement m'dil, comme c'est paysan, m'y a la bam 10 carreaux de terre pour voter me voler. Ni huile, dit m'bagou terre de 10 carreaux de terre. M'dil, mon doué m'terre, l'orgue terre, wap bam 10 carreaux de terre parce que pas voler votre paysan. On paye pour ça. Très bien. Ben, merci un peu, professeur. Bonne journée. Eh bien, c'est moi-même qui remercie nous, qui me faire prochaine, et puis, rendez-vous cassé à 2h. Donc, soit pas accompagné nous, Bob, c'est, guerrier, donc, nous sommes candidats, on a content de présence. Eh bien, on a fait télé à Konza, parce que, on va dire, PDG prend note. Ouais,